2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, bonjour, je m'appelle Hervé. Et si je parle comme ça, non, je parle comme ça. Tu veux essayer maintenant, voir Non, je le pense que son, ça ça va marche, c'est aller? bon, ça marche. Bon. Donc déjà, on aimerait savoir si vous êtes né ici, Allez, on donc à recommence, Grenoble. on fait un silence pour recommencer D'accord. sérieux, parce que D'accord. si vous le montez un peu. On voudrait savoir si vous êtes né à Grenoble. Oui, je suis né à Grenoble. Donc c'est vos parents qui sont venus d'Italie pour venir en France? C'est mes grands-parents, moi. Vos grands-parents? Et dans quel contexte ils sont venus pour venir en France? Alors, les deux sont venus parce qu'ils avaient faim, ils cherchaient du travail. Mes grands-parents étaient bûcherons. Donc, ils ont commencé à 14 ans à aider les vrais bûcherons dans les bois, et puis après, il fallait bouffer tout, etc. Donc, ils sont venus chercher du travail en France, et donc en Chartreuse, parce qu'il y a beaucoup de sapins. Et puis, ils ont eu aussi des problèmes avec Mussolini. Il y a eu quelques frères de mon grand-père maternel qui a fini, comment dire, mort. D'accord. Voilà. Donc ils ont été obligés de partir aussi d'Italie. D'accord. Et donc, vous avez toujours grandi dans les quartiers de Grenoble, vous et votre famille aussi, vos Oui, grands-parents? moi je suis né à Grenoble, et disons que j'ai, à partir de 8 ans, j'ai habité à Saint-Martin-d'Hères, donc dans un quartier. Pas du D'accord. tout dans un quartier hérital de Grenoble, je veux dire, dans une D'accord. banlieue. Et est-ce que vos grands-parents ont été victimes de racisme ou pas quand ils sont venus en France? J'ai jamais trop entendu mes grands-parents parler de racisme, sauf, je dirais, ce racisme latent, que de toute façon, t'es un étranger, t'es un rital, quoi. Mon père, à l'école, avait plus de problèmes, sale macaroni, enfin, donc des fois, il se battait pour ça, parce que D'accord. c'est vrai que c'est un petit peu embêté. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé, vous, en Italie? Oui. Et vous avez encore de la famille là-bas? Pardon. Vous avez de la... Alors, j'ai encore de la famille là-bas, oui, mais que j'ai pas vu depuis une vingtaine d'années au moins, je pense. Mais bon, il y a une branche de ma famille qui n'est pas partie d'Italie. J'ai donc des cousins éloignés que j'ai dû voir une fois, quoi. Je vois Et jamais. vos grands-parents, ils viennent d'où en Italie? Alors nous, ma famille est du nord de l'Italie. C'est-à-dire, ils sont de Berbène, qui est un petit village au-dessus de Bergame. C'est dans le nord de l'Italie, un village un peu alpestre, quoi. C'est les Dolomites. Il y a des sapins à couper. Mes grands-parents, les parents de mes grands-parents étaient peut-être, on pense, serfs la propriété d'un riche D'accord. rital italien. Et il y a souvent des associations à Grenoble pour la vie associative italienne. Est-ce que vos grands-parents en ont fait partie ou même Non, vous, vos grands? parce que mes grands-parents habitaient à la campagne. Donc quand ils sont arrivés, par exemple, en France, une de mes grand-mères, elle s'est retrouvée à Curières, qui est un monastère de Grande Chartreuse, etc., etc., avec 15 bûcherons pour, comment dire, faire la polainte. Et donc elle passait sa vie dans les bois, enfin, ils parlaient pas français, donc ils essayaient de survivre. Il y a eu la guerre aussi, donc ils n'étaient pas branchés du tout à Télo. Hein. Enfin, à D'accord. Télo, excusez-moi, ma manière de fonctionner. Ok, bah.